viens bien? Très bien. De l'Inde. De l'Inde? Oui. Très bien, bravo. Bonjour, monsieur Pelletier. Bonjour, bonjour. Deuxième service que tu m'en es. Bonjour, Eric de Touris, candidat sur le cinquième pitié. Stan, tu vas bien? Ça va et toi? Non. Ça va, Franck? En forme? Une super, dis donc. Oui, exact, il y a 20 ans. J'ai les chiens. Bonjour. Attends. Oui, d'accord. Là, installez-vous. On se met tous au premier rang, là, comme ça. Je sais pas quoi les. Hein? On est intervenu tout de suite, hein? Ça a été compliqué. Alors, qui manque de matériel? Venez représenter nos valeurs de droite, nos valeurs patriotiques à l'Assemblée nationale. Un seul vote utile pour Agnès et pour Florence aux élections des la deuxième circonscription du Cher pour Mathilde. Dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Pour la Sologne, pour le Loiret, une députée de droite. Dans le Loiret, il saura être un député de droite. On a été chez LR, on a été au PCD, on a été chez Dupont-Aignan, on a été au Rassemblement National, on a cru en Sarkozy, en Villiers, en Le Pen, en tant d'autres. Et pour la première fois, un homme, un parti, nous rassemble et nous fédère pour nous permettre non seulement de nous retrouver parce que nous... Et demain, grâce à cette union des droites et des patriotes, de l'emporter. Et on a besoin de cette unité. On a besoin de cet engagement pour les élections législatives. Tout ce que vous portez dans chacune des circonscriptions, tout ce qu'on porte, parce que Nicolas est candidat chez lui en Normandie. Moi, je suis candidat, vous le savez, tu l'as dit, dans le Loir-et-Cher. Bien sûr, ce sera difficile. Mais ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que nous avons posé un acte de foi, que nous avons posé un acte fondateur, et que cet acte fondateur va nous permettre demain, après les épreuves, après les obstacles, de remporter d'immenses victoires et de sauver notre pays qui en a bien besoin.